Eh ben, on va essayer de répondre à cette belle question qui est les équipements, c'est quoi, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fout là aussi. C'est la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. À quoi servent les équipements sur Whiteout Survival? Alors, hop, et hop, voilà, on va mettre ça comme ça plutôt. Voilà, c'est magnifique comme ça. Donc, les équipements, c'est des choses qui sont, ma foi, très utiles dans le jeu. Déjà parce qu'ils permettent d'améliorer la puissance de votre héros. Ils permettent aussi... de gagner des bonus sur la létalité, sur la santé aussi des fois, mais c'est vraiment quelque chose d'important et qui peut faire quelque chose de très utile dans le jeu. Et pour ça, je vais vous montrer et je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors attendez, je réponds. Voilà. Alors, les équipements. Donc, les équipements, vous pouvez en avoir plein de différentes couleurs. Il y a des verts, des gris, des bleus, des violets et des jaunes. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la couleur fait la rareté de notre petit équipement. Donc, alors, pour être sûr d'en avoir des couleurs, je vais vous montrer là. On va récupérer ceux-là ici. Voilà. Alors, le premier équipement que vous avez, c'est le gris. Alors, le gris, c'est un équipement commun. C'est-à-dire que c'est des équipements que vous aurez de façon régulière et qui sont très faciles à avoir et vous en avez plein. Il faut savoir qu'au début, ils vous sont utiles, mais après, par la suite, ils ne vous servent plus à rien. C'est du bouffe-tout en fait, c'est ce qui vous permettra d'améliorer les autres, hein, d'accord? C'est le genre d'équipement qu'au bout d'un moment, vous ne devez plus garder dans vos stocks, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, vous voyez, ça porte bien son nom, stade d'équipement. Donc là, ici, on est sur un équipement d'attaque à vue d'œil, de lancier précisément. C'est des lunettes de lancier. Donc, vous voyez, attaque 12, santé 60, létalité des lanciers 1,33%. Donc ça, ça augmente, d'accord? L'idée, c'est de les améliorer. Donc, ils montent au niveau, je crois c'est niveau 80 ou niveau 100. Il faut les améliorer, les équipements, mais pas ceux-là. Ceux-là, c'est de la grosse daube, on s'en fout. Ok. Ensuite, vous avez les bleus qui sont peu communs, c'est-à-dire ils sont un niveau au-dessus des gris. Ok, c'est pareil. Au début du jeu, quand vous commencez à jouer, c'est des équipements que vous pouvez garder et mettre sur vos héros. En tout cas, les quelques héros que vous avez, vous pouvez les mettre dessus. C'est pareil. Là, vous avez des bottes piquées, donc ça, c'est aussi pour les lanciers. Et comme vous pouvez le constater, ils sont un petit peu plus puissants. Et c'est pareil, vous pouvez les monter en niveau. C'est toujours utile et c'est très bien. Ensuite, vous avez les bleus. Alors, les bleus, donc là, vous voyez, moi, j'en ai plein. Moi, ils sont niveau 25. Alors, je les monte doucement, mais ça prend du temps. Mais c'est des équipements rares. Donc ça, en revanche, ça devient un petit peu plus intéressant. Alors, parce que concrètement parlant, c'est l'intermédiaire entre le basique et le plus compliqué à avoir, d'accord ? On est entre les deux, le bleu et l'intermédiaire entre le facile et le difficile. C'est le moyen, c'est celui qui est pile entre les deux. Donc le bleu, vous pouvez le garder. Tant que vous n'avez pas que des violets ou des jaunes, vous pouvez garder les bleus. Ceux-là, ils valent le coup pour l'instant, ils sont rentables pour le moment. Donc c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc vous avez tout, hein. Vous avez du lancier, vous avez comment dire, hop, là vous avez des rangers. Donc ça c'est pour... ceux qui tirent à l'arbalète, donc ça doit être les tireurs. Et vous avez les tanks donc, qui sont faits pour les etc. Bon, en bref, les logos qui sont là vous permettent de savoir sur quel type de héros ça va. Hein, parce que quand vous allez sur les héros qui sont là, eh bien, vous voyez, il y a des petits logos qui vous disent si c'est un tireur, un lancier ou un infanterie. D'accord? Donc là, c'est un tireur, là, c'est infanterie, là, c'est lancier. C'est tireur. Vous voyez? Donc, vous regardez ça et vous saurez sur quel type d'héros. Donc les bleus, c'est les intermédiaires. Faut les garder, vous pouvez les monter au maximum. Moi, vous voyez, ils sont que niveau 26, mais c'est parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie aussi. Mais c'est utile, d'accord? Ensuite, vous avez le niveau violet. Alors les violets, en revanche, ils sont épiques. C'est des équipements qui sont très rares, qui sont rares. On n'en obtient pas tout le temps. Ils sont pas faciles à avoir, mais... Quand vous ouvrez certains packs, notamment, vous avez une chance d'en avoir. Dans certains coffres aussi, quand vous gagnez des coffres, vous pouvez en avoir. Et comme vous pouvez le constater, ils sont beaucoup plus costauds que les autres. Et comme vous pouvez le voir, le mien, ils sont niveau 25. Mais de base, je vous garantis qu'ils ont une bonne pêche. Vous voyez, le grand, là, vous voyez, niveau 30. Voilà, 18 000 de puissance. Ça vous donne aussi le supplément de puissance. Hein, ça va de soi, la puissance brute, ça va de soi. Vous voyez, plus 3 000 de puissance. Mais tout cumulé, je vous garantis que tout ça, ça représente des millions de puissance. En point de puissance, ça représente des millions. Hein. Vous imaginez même pas à quel point. Donc ceux-là, c'est pareil, vous les gardez, vous les jetez surtout pas. Et surtout, vous les maxez autant que possible, vous les faites monter. Alors, priorité sur quand même vos héros principaux, c'est-à-dire les 5 premiers. C'est ceux que vous vous servez le plus. Que ce soit pour les ralliements, donc les 3 premiers, ou même les modes exploration qui demandent, lui, les 5 premiers. Donc, gardez-les, maxez-les et essayez de les augmenter. Alors, libre à chacun sa méthode. Moi, je vous suggère de rester relativement équilibré. Comme ça, tous vos héros auront en fait des stats relativement identiques, une puissance relativement identique quand ils attaquent. Vous n'aurez pas besoin de vous dire, tiens, je vais lancer ça dans l'attaque. Et puis, les autres, ils n'ont plus rien, quoi. Les stats, ils sont pourris. En gardant un certain équilibre, en fait, dans les stats et dans les équipements, vous donnez la même supériorité à tout le monde et vous n'avez plus besoin de réfléchir à savoir est-ce que je mets ce héros-là alors que celui-là n'a plus rien. Non, tout le monde aura la même chose. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Et enfin, vous avez les derniers. Ce sont les jaunes, les mythiques. Alors attention, les mythiques, ils sont un petit peu particuliers. Les mythiques, ils sont très difficiles à avoir. Dans 80% des cas, il faut payer pour en avoir. Je vous le dis, hein, dans 80% des cas, ils sont payants. Vous pouvez en avoir, hein, c'est pas impossible. On peut en avoir, mais c'est vraiment très difficile. Ils sont souvent payants. Donc, c'est ceux-là qui donnent le plus de puissance. Ils sont vraiment très, très forts. Donc, si vous en avez, gardez-les. C'est impératif, gardez-les. Essayez de les mettre sur vos héros principaux. Honnêtement, tout ce que je peux vous recommander de faire, c'est de les mettre sur le principal. Et gardez-les absolument et montez-les. Donc, les principaux, les mythiques, comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres, ils affichent 2 niveaux. Ils affichent le niveau ici et ils affichent le niveau en bas. Et c'est parce que tout simplement, Hop là. Hop. 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 Le jaune, contrairement au violet, vous voyez, il y a juste améliorer. Mais le jaune, contrairement au violet, vous avez 2 choix. Vous avez améliorer. Vous avez maîtrise de la forge. Alors la maîtrise de la forge, ça augmente le niveau de l'équipement, mais d'un niveau supérieur en fait. C'est une autre amélioration de l'équipement. Et il n'y a que sur les jaunes que vous pouvez utiliser la forge. Alors le commentaire disait pourquoi je ne peux pas forger les équipements. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que les mythiques qui peuvent être forgés et pas les autres. Seulement les mythiques et rien que les mythiques. Donc évidemment, plus vous montez dans les niveaux, plus la forge vous coûte cher, ça va de soi. Hein ? Là, vous voyez, il m'en faut 40. Ça coûte cher. Sinon, vous pouvez évidemment améliorer tous les autres normalement. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop. Là, on peut les améliorer tout à fait normalement. Voilà. Mais la forge, ça demande des pierres de forge. Des pierres d'essence, pour être précis. Donc, pour ceux qui ont des pierres de forge et qui ne peuvent pas s'en servir, eh ben, il faut avoir des équipements mythiques. Mais je crois que la pierre d'essence est utilisable à partir d'un certain niveau, il me semble. Il y a un niveau minimum pour pouvoir s'en servir et forger. Je crois que ça doit être le niveau 25 ou le niveau 26, je ne sais plus. Et avant, vous ne pouvez pas vous en servir. Mais n'hésitez pas à les améliorer quand vous pouvez, quand vous avez ce qu'il faut pour le faire. Ça augmente à la fois la puissance et l'efficacité de l'équipement, évidemment. Donc, pensez bien à vous en servir, c'est très utile. Et accessoirement, vous avez aussi l'équipement du chef. Alors l'équipement du chef, il est un petit peu différent de l'équipement normal standard, dans le sens où celui-là, vous l'avez déjà de base. Donc celui-là, en revanche, il se débloque à partir du niveau 25. Vous pouvez pas le... Ils sont pas utilisables avant, en tout cas, je crois, ou 21. Il y a 21 pour un et 25 pour l'autre. Je crois que c'est les équipements pour un et le talisman pour l'autre. Bref, ces équipements-là, contrairement aux autres, c'est pas des équipements où vous avez déjà une couleur. En fait, ils changent de couleur selon lequel vous avez... En fait, vous commencez avec du vert, d'accord, à la base, et vous lui remettez des étoiles, vous les améliorez en mettant des étoiles, et à chaque fois que vous passez une étoile, ils changent de couleur, l'idée c'est ça, vous voyez. Donc là, quand j'ai atteint 3 étoiles, vous voyez, ils sont verrouillés, mais quand je vais atteindre la 4e étoile et tout, je vais pouvoir passer sur le épique, et il va changer de couleur au fur et à mesure que je vais monter dans les niveaux, pour atteindre le niveau mythique, d'accord. Donc là, en revanche, pour améliorer ceux-là, les équipements-là, il vous faut des plans de conception. Les plans de conception, c'est pareil, c'est des choses qui sont facilement récupérable si vous faites souvent des événements ou quoi que ce soit, ou si vous payez aussi. Mais sinon, Joe, l'événement de Joe vous donne aussi des plans, les trucs comme ça. Vous avez plein de petits machins, vous pouvez en avoir. C'est pas le plus facile à avoir, je vous le concède. Et vous avez le talisman, lui, qui améliore les stats en fait de l'équipement. C'est-à-dire que ben, c'est la létalité, c'est les bonus de stats que vous donne l'équipement en fait. Et là, en revanche, il vous faut des guides de talisman et des plans de talisman. Alors, pour quelqu'un qui démarre où les talismans ne sont pas encore bloqués, je vous garantis que si vous arrivez à en avoir, allez-y, prenez-en, accumulez-en un max. Parce que moi, juste pour moi personnellement, quand j'ai débloqué le talisman, j'ai pris 3 millions de puissance supplémentaire. Voilà, je vous le dis, plus vous aurez ça avant d'arriver au niveau 25 et plus quand vous allez commencer à faire ça, vous allez gagner en puissance. Alors moi, ce que je vous recommande quand même ici, je sais pas, après, je vais être honnête, hein, je ne sais pas s'il y a une méthode spécifique ou utile à ça. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que moi, je ne peux que vous conseiller d'essayer de garder un certain équilibre dans les améliorations que vous faites pour savoir où vous en êtes et surtout pour les monter dans l'ordre. Donc là, vous voyez, là, ils sont tous niveau 2. Ils vont, je vais pas m'occuper d'eux maintenant. Mais il y en a encore quelques-uns où il reste un niveau 1. Donc là, vous voyez le niveau 2 et le niveau 1, ils coûtent pas le même prix. Vous voyez, là, un niveau 2, on est sur du 60-40, alors qu'un niveau 1, on est sur du 40-15. OK? Montez d'abord tous au niveau 2. Une fois que vous avez fini tout le monde au niveau 2, vous passez au niveau 3, etc. L'idée, c'est de garder quand même un certain équilibre, une certaine logique, parce que sinon, vous allez vous perdre. Alors, ça n'a pas d'effet particulier, peu importe que vous les montiez plus ou pas. Concrètement, là, ça améliore juste le bonus de stats. Hein. Je vous le dis, ça améliore que le bonus de stats. Ça n'a pas d'effet particulier. Et le bonus de stats, la différence, vous la voyez dans la tronche des petits diamants que vous avez en dessous. Puisque le diamant change de couleur et change de forme. Enfin, il change de forme surtout en fonction du niveau qu'il est. D'accord? Donc, moi, je vous invite vivement à garder une certaine homogénéité dans tout ça. Maintenant, chacun est libre. Vous avez tous des méthodes différentes et variées. Donc, servez-vous-en, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, ça c'est les équipements du chef. Donc ces équipements sont importants, ils donnent des bonus très importants. Vous voyez, regardez, vous voyez avec déjà ce que j'ai fait, vous voyez, plus 600 000 de puissance. Vous voyez, là on est déjà à 1,2 million pour les deux premiers. 1,4 million là. Et presque 1,3 million ici. Donc vous voyez, on est quand même à presque 4 millions de puissance, rien qu'avec ça. Alors je vous laisse imaginer un petit peu la force que ça vous procure. Et ça vous donne une puissance soudaine assez monstrueuse. Donc, les équipements, c'est très utile dans le sens où ça donne quand même un bonus de stats à la personne qui le porte, que ce soit en termes de santé, de létalité ou d'attaque, ou même de défense. Donc, les équipements, gardez-les précieusement, utilisez-les. Comme je vous ai dit, à partir du bleu, c'est utile. En dessous, je pars du principe que c'est pas nécessaire de les garder, ou alors, sauf si vraiment vous voulez mettre des équipements à tout le monde. Mais le gris et le vert ne vous donnera pas un bonus tout exceptionnel. Enfin, honnêtement, hein, c'est pas la chose qui va vous faire grimper en flèche. Les bleus et les violets sont vraiment ceux qu'il faut garder le mieux et qui vous donnent plus de patates. Quant au jaune, bah, si vous payez, alors payez concrètement, vous pouvez en avoir. Hein, c'est pas dur. Hein, vous allez dans la boutique et vous pouvez avoir des équipements. Vous voyez, pour améliorer l'équipement du chef, vous en avez là. Améliorer les équipements, vous voyez, vous avez le coffre ici là qui vous donne... non, ça c'est les équipements de héros. Où est-ce qu'il est? Alors vous avez souvent des packs, vous voyez, là c'est le pack de héros. Là, équipement du chef encore. Là, si vous voulez des pierres de forge, vous avez vu, il y en a là. Il vous en donne 10. Alors à partir du moment où il n'y en a plus de 10, c'est mort, hein, ça sert à rien. Mais bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous pouvez améliorer un peu tout ce que vous voulez sans trop de difficultés si vous payez un peu. Donc là, vous voyez, hop, ça doit être cela. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, là, ils ne vous donnent pas forcément, c'est pas garanti, mais c'est pareil. Vous pouvez acheter, il y a de tout. Hein, honnêtement, vous trouvez de tout. Hein, c'est pas très difficile. Bref, vous avez compris. J'espère que cette petite vidéo sur les équipements vous aura aidé à comprendre un peu. Donc pensez bien à les maintenir, à les monter tranquillement. Alors, comme je vous ai dit, chacun sa technique pour les monter. Soit vous pouvez majorer sur les 5 principaux et ensuite faire monter le reste. Soit vous pouvez faire comme moi et les augmenter de façon homogène chez tout le monde. Alors évidemment, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, ça prend plus d'équipements à bouffer. Mais derrière, tous vos héros vont avoir des équipements qui sont relativement corrects. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi je les monte tous au niveau 25 avant de les passer au niveau 30. Mais il n'y a que les jaunes que pour l'instant et tout ça. Et le début des violets que je commence au niveau 30. Mais je continue à monter les autres en bas. Et pour ça, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais héros par héros. Hein. Donc en ce moment, je ne sais plus auquel. Mais concrètement, je regarde et puis je les fais monter. Donc là, vous voyez, je vais dans l'ordre. On a 25, 25. Donc là, concrètement, vous voyez, lui, elle a encore un petit niveau à faire. Mais voilà, c'est tout bête. Mais je fais comme ça. Et il suffit de me les faire monter tranquillement. Mais vraiment, chacun sa méthode. Après, certains préfèrent monter les héros principaux, ce qui est tout à fait une technique qui fonctionne. Alors que d'autres préfèrent se concentrer déjà sur le reste comme moi et de garder une certaine homogénéité. Voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à la question des équipements. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous remercie. N'hésitez pas, comme notre ami, à poster encore des commentaires constructifs, parce que c'était très constructif, et à proposer des sujets de vidéos. Et je me ferai un plaisir d'y répondre comme je viens de le faire en vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, comme on dit. Hein. Ciao tout le monde.